Bon, bien, bienvenue à tous. De nouveau sur ce superbe et somptueux Vigan AJS37. Donc pour ce tuto numéro 4 qui va concerner, et il y a matière à travailler, la bombe Bliss très connue M71 220 kg. Tellement connue qu'on a bien du mal à trouver des informations sur Internet. Peut-être qu'elle n'a simplement jamais été utilisée. Et c'est ce qui la rend sans doute très très intéressante. On va démontrer un petit peu les capacités de cette bombe. On va essayer d'attaquer avec le maximum de précision une position surélevée. Et oui, on peut y arriver. Ça marche très très bien même, j'ai trouvé. Une position surélevée. On a simulé une embuscade. Hein. Et on va ouvrir le feu sur des containers en position surélevée. Donc on va d'abord voir un petit peu point de vue du briefing, qui est simple, hein, qui sera, je préfère le dire maintenant, commun aux quatre types de largage. Voilà. Donc pour le briefing, j'ai fait assez simple, hein. On part de l'est, on fait une quarantaine de kilomètres jusqu'au point B1. Du point B1, on va essayer de rejoindre le point B2 en obliquant très très légèrement vers le sud. Ça doit faire 25 km. Pour attaquer notre cible, hein, la fameuse cible qui est à flanc de colline. J'ai tenté de simuler un petit peu une embuscade, voir ce que ça donnait. Et ensuite, on va s'échapper en plein sud vers le point B3. Voilà, donc on va opérer un bombardement en palier. Alors comme d'habitude, très important, régler le QFE de la cible, qui pour moi est à 785. La cible étant un peu surélevée, c'est pas étonnant. Dans un deuxième temps, on va passer le waypoint 2 en point d'attaque. Code 9 et B2. Alors là, il n'y avait pas que ça à faire au niveau du C-47. Il faut qu'on désactive dans un premier temps, c'est le calcul de la trajectoire de cible qui est le 200, code 221 pour ne pas perturber la visée. Et ensuite, on a la télémétrie sur le code 221. 53 qu'on va également désactiver. Alors, au niveau de notre commutateur d'armement, on est sur bon plan, à palier, c'est parfait. Et je vais diminuer un petit peu l'intervalle de largage pour le passer à 10 mètres, compte tenu que la cible est assez réduite. Ça va limiter l'écartement des frappes. Donc, je vais prendre la vue en main, on est actuellement à 5 à 6 km de notre premier point. Je vais passer le HUD en basse altitude pour pas perdre mes infos en survolant les collines. Voilà. Donc là, c'est assez tendu niveau pilotage. Mais bon, je me suis rendu compte de l'efficacité de la bombe tout de même sur des positions comme on va attaquer là. Je pensais que ça allait être plus compliqué compte tenu que c'était bien au-dessus du sol. Et on se rend compte qu'en fait on a quand même une grande précision. Il faut encore être assez précis dans son pilotage. Ça c'est autre chose. Donc on va attaquer entre 200 et 250 mètres. Il faut se concentrer sur 200 mètres, plus on est bas mieux c'est. Mais là, vu qu'on est en position surélevée, c'est moins facile, hein, à mettre au point. Et à Mach 0809. Donc je vais passer ma PC1. Alors là, on va voir l'altitude radar. Je suis à 550 mètres. 560. C'est à gauche. Ça m'a demandé un petit peu de concentration. Là, on voit qu'il y a un T à l'envers qui vient d'apparaître sur le HUD, hein, c'est la distance entre moi et ma cible.
je suis maintenant à 15 km de ma cible. Donc je vais passer en mode ANF. Ce qui va me faire apparaître un point qui est... un point sur le HUD, hein, le point vert, hein, qui est virtuellement l'emplacement de ma cible. Mais bon, il est toujours un petit peu décalé, c'est pas... c'est clairement pas d'une grande précision, ça donne un bon aperçu d'où elle est. Mais ça s'arrête là. Je vais monter pour essayer de passer à peu près à 200 mètres au-dessus de la colline. Ce qui est ma l'altitude minimum avant de prendre des éclats plein les ailes. Alors là, je vais viser ma cible au mieux, grâce à mon réticule. Et je vais déverrouiller la gâchette de tir. Je déverrouille la gâchette de tir. Ensuite... on va survoler la cible, 2 secondes avant largage, largage. Et je vais Verdun. Et on voit que les impacts n'ont pas l'air trop mauvaises. De tir. Visiblement le waypoint 3 n'est pas passé. Je passe en mode navigation. En mode position active, je sélectionne le waypoint numéro 3. Voilà qui vient d'apparaître, hein, sur mon instrument central. Et je peux maintenant m'enfuir. Et bien sûr, je relève le HUD. Fuite à basse altitude, hein, ça évite de s'en prendre plein les fesses. Et bien voilà, donc pour ce premier volet de la bombe M71, l'ISSA. On va aborder maintenant le sujet du bombardement en semi-piqué, en mode précision, puisqu'on va utiliser la télémétrie, tout ce qui va bien pour faire un tir le plus précis possible. Alors c'est une attaque qui est assez puissante, compte tenu que toutes les bombes tombent dans un périmètre restreint. Ça reste très efficace, hein, moi j'ai trouvé. Donc voilà, on va revoir un petit coup le briefing, puisqu'on va mettre en place un pop-up point. Et après, on va se rendre compte que ça s'utilise de façon très proche de la roquette Arak. Si vous savez utiliser la roquette Arak, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc le briefing est exactement le même que précédemment, c'est-à-dire qu'on part de l'ouest. On va jusqu'au point B1, qui va nous emmener au point B2, qu'on va transformer en point d'attaque M2. À ceci près, c'est qu'on va créer un pop-up point. Un pop-up point qui va faire en sorte qu'on attaque contre la colline, c'est-à-dire qu'on aura une meilleure solution de tir. Et compte tenu qu'on utilise cette bombe comme la roquette Arak, on va pouvoir s'approcher à basse altitude, faire une boucle et descendre sur la cible. Suite à cette attaque, on va repiquer vers le point de sortie B3. Alors il y a un petit peu plus de choses à toucher au niveau de l'avionique. Hein. Un petit peu plus de préparation. Par contre, vous serez sans doute pas déçu du résultat. Je vais passer mon mode en basse altitude. Première chose à faire, ça va être de régler le QFE de la cible, qui est à 785, comme précédemment. Évidemment, la cible est la même. On va juste attaquer sous un angle un peu différent. Maintenant, on va faire un tour du côté du C-437, hein, pour faire les petites opérations classiques habituelles. On va rentrer le code 9 pour le point B2, ça le transforme en point d'attaque. Ensuite, je vais en profiter pour rentrer le pop-up point,
On va attaquer la cible sous un angle de 300 degrés. Sur une distance. À une distance de 10 km. Et je le rentre. Je regarde un peu dehors pour pas me prendre une colline. Et je rentre. Là, on va placer le commutateur d'armement sur le mode DIC, DIC, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est DYK. Ça va vouloir dire précision peut-être. Et l'intervalle de largage, mais 10 mètres, hein. 10 mètres, c'est très bien compte tenu qu'on va essayer de regrouper les frappes le plus possible. On est donc à 5 km du point B1 qui va basculer sur le point U2 si tout se passe bien, mais ça va bien se passer. Et bah dans ce mode là je vais pouvoir me permettre de passer en PC2, parce que même s'il faut larguer les bombes entre Mach 08 Mach 09, compte tenu qu'à la fin entre le point U2 et E2 je vais faire une attaque en, bon bah en cloche, hein, je vais monter. Je vais prendre une forte incidence et je vais mécaniquement abaisser la vitesse de l'avion. Déjà, ça nous permet de s'approcher relativement vite. Nous voilà à 15 km environ de la cible, du moins de mon point U2. Qui va donner le départ des hostilités. Alors je passerai en mode ANF. C'est beau, c'est joli, c'est très vert, j'aime. Ça me rappelle ma bonne Normandie, ça. On va pas tarder à voir apparaître le point E2, c'est parti. Donc je passe en mode ANF et je commence ma manœuvre. Alors vous avez vu que le HUD est resté en position haute. Vu l'angle qu'on prend, on n'aura pas besoin d'aller chercher le réticule en bas. Alors là je monte, je vais essayer de me caser dans l'axe de cible. Et je vais opérer une petite descente maintenant. Et je devrais voir la cercle, hein, le cercle vert arriver sur le HUD. Ah, il est très clair, on a bien du mal à le voir. Je vois ma cible, je déverrouille la gâchette, ça clignote, j'attends que les ailes se fixent, et je lâche, et je dégage. Sous 4G. Donc voilà, je pense avoir fait mouche, hein. Visiblement c'est le cas. Donc vous voyez que c'est quand même très efficace, hein, malgré tout. Hein. Alors, le mode Quickerize, littéralement largage rapide, hein, c'est un mode directement dérivé du mode qu'on a vu avant, c'est-à-dire le mode précision dans le semi-plongée. À ceci près, c'est qu'on va à aucun moment passer sur le mode ANF du master mode. Voilà, alors ça va avoir pour effet de chanter la télémétrie, donc de travailler qu'avec la triangulation du C-437.
Alors évidemment c'est un peu moins précis, mais effectivement c'est un tout petit peu plus rapide à mettre en œuvre, compte tenu qu'on n'a pas passé en mode ANF. Alors oui, ça fait un tout petit geste et c'est pas beaucoup plus rapide, mais bon, ça rend le mode précision un peu moins précis. Et vu qu'on reste en mode navigation, on ne verra pas apparaître le cercle vert qui nous permet de voir à peu près où se trouve la cible. Donc ça a quand même un certain nombre d'inconvénients malgré tout. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va régler le QFE de la cible. Et là, c'est d'autant plus précis qu'on va utiliser que la triangulation. Alors, j'avais dit 784. Voilà, faut être le plus précis possible, évidemment, comme d'habitude. Hein. Voilà. Ensuite, je vais me retourner du côté de l'ordinateur de bord, le C-87. Je vais mettre en mode tactique et me boot. Donc théoriquement je devrais rentrer mon point d'attaque, mais je viens de me rendre compte que c'est pas la peine quand on rentre un pop-up point. C'est-à-dire qu'il va être le point B2 qui est affilié au pop-up point passe directement en point M2 d'attaque. Donc ça fait une petite manip en moins. Sur cet appareil, c'est quand même pas négligeable. Alors 300 degrés. Toujours mieux 10 km. Et je le relie au point B2. Ensuite, au niveau du commutateur d'armement, et bien c'est comme tout à l'heure. Enfin, du moins le mode opératoire d'avant, le mode précision, on passe en DYK ici, DIC. Voilà. Et je vais placer aussi mon intervalle de largage à 10 mètres. La cible étant la même. C'est embêtant, je pensais au départ qu'on pouvait attaquer des cibles d'opportunité, mais effectivement, si on n'a plus de télémétrie et qu'on travaille qu'à coup de triangulation, il faut aussi rentrer le QFE de la cible, ce qui n'est pas donné évidemment sur une cible d'opportunité. C'est une donnée qu'on n'a pas. Donc on va devoir travailler exactement pareil que le mode précision. M'approcher de ma cible hein, de la même façon à basse altitude. Je passe en PC2. Je vais tenter de m'approcher aussi bas que possible afin de passer sous les couvertures radar éventuelles et de surprendre l'ennemi. Altitude évidemment. Donc, voilà, là j'ai plus d'informations, c'est normal. Hop, je passe en mode basse altitude et l'affaire est réglée. J'ai la barre horizontale qui vient d'apparaître sur le HUD hein, qui me symbolise la distance entre moi et le point U2. La luminosité relativement basse, je vais sans doute avoir du mal à localiser ma cible. C'est là que le mode ANF est efficace, compte tenu qu'il montre au moins une position certes approximative, mais on sait que la cible est toujours dans les environs du cercle vert, et là ça ne va pas être le cas. C3.
pas les tirs des laves, hein, les tirs de 20 mm, heureusement, parce que sinon j'aurais bien du mal à avoir ma cible.